Hello, on s'en sort du point de vue vidéo et je voulais continuer avec cette série des présentations de races en moins de 5 minutes. Donc cette fois-ci, nous allons parler du Chocho, ce véritable petit lion. Découvrez l'une des plus anciennes races du monde. Les origines du Chocho sont assez vagues. Ce serait la plus vieille race de chiens du monde, utilisée en Chine comme chien de guerre il y a 4000 ans. Ils ont aussi été des chiens de traîneau, mais également des chiens de garde. Arrivés en Angleterre au 19e siècle, on considère généralement que c'est leur pays d'adoption. De taille moyenne, sa tête est volumineuse, et son museau est gros et court. Ses oreilles sont arrondies. Sa queue est portée renversée en appui sur son derrière. Son poil est abondant, court ou long, et toujours très épais au niveau du cou où il forme une crinière. Une autre de ses principales caractéristiques, sa langue peut être bleue ou noire. Sa robe doit être unie. Elle peut être rouge, crème, blanche, noire ou encore bleue. Ce toutou mesure entre 46 et 56 cm et pèse entre 20 et 30 kg. Le Chocho est peu démonstratif, indépendant, peu obéissant, calme, intelligent, doté d'une personnalité forte et parfois indifférent. Ce n'est pas le genre de chien qui aura de grands élans de tendresse envers son entourage, même si, comme je le dis à chaque fois, chaque individu peut être différent. Cela ne l'empêche pas de vouer un amour inconditionnel à son maître, de lui être attaché et extrêmement fidèle. Il fera un excellent gardien et aura besoin d'être considéré comme un ami. Ce chien aura besoin d'être brossé régulièrement et il faudra le promener régulièrement, 2 à 3 fois environ par jour. Donc voilà pour cette présentation version rapide du Chocho, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!